Donc mon livre Black America est le récit historique de la, la fabrique finalement des inégalités actuelles. Donc on voit bien dans, quand on écoute l'actualité, quand on lit ce qui se passe aux États-Unis, qu'il reste toujours cette question raciale qui est très très présente. En particulier donc la question la plus mise en avant est celle des questions des violences policières dont continuent d'être victimes les Africains américains à l'échelle du pays et pas seulement dans une région particulière. Et donc ce que j'ai essayé de montrer à travers ce livre, à travers ces 7 grands chapitres chronologiques qui retracent l'histoire de la lutte des Africains-Américains depuis l'émancipation jusqu'à nos jours, essayer de montrer comment, donc, au fil de ces décennies, les Africains-Américains, hommes comme femmes, ont lutté, ont inventé des moyens de reconquérir leur dignité, de lutter pour une égalité, pour la justice, au-delà de la simple conquête des droits légaux. Et ce qu'on voit bien que quand le mouvement des droits civiques arrive à la victoire, à la consécration juridique, donc finalement de l'égalité des droits entre les Noirs et les Blancs dans les années 60, ça ne résout pas tous les problèmes. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit qu'il y a une persistance des inégalités économiques et sociales et un problème très fort de relation entre la police et la communauté noire qui persiste. Et on voit bien qu'il y avait vraiment... des problèmes de fond qui n'ont pas été résolus. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, que ces problèmes existaient depuis toujours et que se concentrer sur des luttes trop limitées, exclusivement centrées sur les droits civiques, ne permet pas d'expliquer les problèmes actuels. Le récit que je présente est le récit centré sur la mobilisation quotidienne de la lutte pour l'égalité et la justice au quotidien, ancrée dans le tissu local, dans le tissu urbain, dans les quartiers, dans les ghettos ou dans les comtés ruraux du Sud aussi. Il me semble que c'est cet activisme finalement donc quotidien mené par des gens dont l'histoire n'a pas retenu le nom, qui a permis finalement des grandes avancées et qui a vraiment animé cette lutte sur la longue durée. Donc mon livre accorde une importance particulière à redonner leur place aux femmes, en particulier africaines-américaines, dans ce combat. Les femmes ont été effacées à la fois de la mémoire collective, mais aussi de l'historiographie pendant très longtemps. Et donc je ressors des exemples au fil des différentes décennies de militantes qui ont à un moment donné lutté à leur manière, pour un activisme réformiste ou plus radical pour cette égalité. Alors qu'il y a des grands noms qui sortent, comme le nom au 19e siècle de la militante Ida B. Wells, qui était une journaliste du Sud, qui a mené une grande campagne internationale contre le lynchage, et qui est ensuite partie militer dans le Nord, à New York puis à Chicago. Ou alors d'autres militants des années 60, donc comme Septima Clark ou Ella Baker. Et puis, j'essaie aussi dans mon livre de briser certains clichés. Et par exemple, la figure de Rosa Parks, qui est censée être bien connue. Et c'est l'image qu'on en retient, c'est la couturière fatiguée qui refuse de céder son siège et qui, par ce geste unique, met en branle le boycott des autobus qui va être mené par Martin Luther King. Donc au-delà de ce cliché sur Rosa Parks, je montre une Rosa Parks différente, la militante aguerrie qui, dès les années 30, parcourait les campagnes du Sud pour recueillir les témoignages de femmes noires violées par des hommes blancs. J'ai commencé par une lecture d'innombrables ouvrages d'histoire, de sociologie et de sciences politiques sur les Africains-Américains que j'ai complété par la consultation de différents fonds. Alors que ce n'est pas des fonds inédits, ce n'est pas des fonds qui étaient complètement inconnus, c'est des fonds qui n'étaient pas forcément exploités en France. Donc j'ai étudié différentes archives, comme les archives de cette militante Mary McLeod Bethune qui a commencé sa carrière politique au moment sous Roosevelt dans les années 30 et qui est devenue une grande figure du mouvement noir. Donc j'ai regardé ses papiers, donc des papiers de militants, donc peu connus finalement d'un lectorat français. Et puis j'ai aussi, je me suis beaucoup intéressée donc aux papiers, au fond des grandes archives, des grandes organisations type NAACP ou SNCC, du mouvement étudiant. Donc j'ai regardé toute une série de fonds d'archives, soit personnels, soit d'organisations, que j'ai complété par une lecture très soutenue et continue de la presse africaine-américaine. Donc il y a beaucoup de titres de presse qui sont cités à tous les chapitres pour étayer mon analyse.